Silvio Berlusconi nie les accusations d'incitation à la prostitution de mineurs et d'abus de pouvoir et se pose en victime dans le procès Rubygate. L'ancien chef du gouvernement italien s'est exprimé ce jeudi à Milan devant les juges. Bunga Bunga ne correspondait pas à des orgies sexuelles comme l'ont dit des témoins, mais à une blague selon une cavaliere qui a organisé des soirées controversées dans sa villa d'Arcor près de Milan. On dansait, précise Silvio Berlusconi, mais moi je n'ai jamais pris part à aucune danse en raison d'un ancien vœu de jeunesse. Il n'y a jamais eu de versement d'argent pour obtenir des rapports intimes à ces moments-là et à aucun moment de ma vie. Berlusconi, qui dénonce une campagne de diffamation, a nié avoir eu des rapports sexuels avec Karima El Marouk, alias Ruby, mineure à l'époque des faits présumés. Il est également accusé d'avoir abusé de sa fonction de dirigeant pour obtenir la remise en liberté de la jeune fille, arrêtée pour un vol en 2010. Une accusation que Berlusconi rejette.